Eh bien, coucou tout le monde, c'est Cadra, on se retrouve pour la suite de Resident Evil 3 Nemesis pour la partie 10. Soyez les bienvenus. Prenez-vous un café. Profitez. C'est reparti. Car là, ça va être du file sur mes gros méga file. J'en mâche mes mots. J'espère que vous allez bien et que tout baigne de votre côté. En tout cas, moi, ça va. Donc je reprends directement à la suite. Hein. Juste le temps de se faire un petit café. Et on y va. Alors par contre, je suis bien. Tac tac tac. Normalement pas de soucis. Je suis armé, je suis équipé. C'est parti, on va aller affronter justement la grosse bébête. L'horrible bébête. Bon, normalement, en théorie. À moins de devoir utiliser espèce de barre à mine. À moins qu'elle serve pour justement. Alors, attendez, je vais juste vérifier un truc là. Ici on peut pas y aller. Alors là-bas, c'est peut-être pour justement la porte là. Pour péter le cadenas, ouais, je pense. Ouais. Il me semble que c'est ça. On va aller vérifier. Je m'en souviens plus. Hein. J'ai un peu des trous de mémoire là comme ça. Il faut dire que quand même, ça fait un peu plus de 10 ans que je l'avais pas retâté le RE3 là. C'est vague. Chez moi, inutile de dire qu'on a un sale temps là pour un week-end. Franchement, c'est quand même un peu abusé. C'est tristoun. Oh non, ça y est, ça commence là. Lâchez-moi. Laissez-moi évoluer tranquille. Faites comme si je n'étais pas là, hein. Vous êtes bien, bien assez gros comme ça déjà, ça suffit. Bon. What? Qu'est-ce que je viens de faire là comme connerie? Ouais, non, non, c'est bon, j'ai rien dit, c'est pas ici normalement. 4-4-4, arrête tes conneries là! Par contre, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est la porte qu'il faut prendre direct. Hein. Donc, sinon j'ai regardé aussi pour essayer de rajouter Rudy dans mon PSN, mais... je sais pas ce que t'as comme pseudo, donc voilà quoi. Je voulais t'envoyer une invite, mais je ne connais pas ton pseudo. Je pensais que c'était juste Rudy, mais visiblement Rudy ça ne marche pas. Voilà, sachant que d'ailleurs au passage, j'ai quand même pas mal de monde de via YouTube. Je crois que j'ai Ox Client, j'ai Xolier. D'ailleurs, je sais pas si Xolier regardera cette vidéo. Je t'avais fait une petite bannière YouTube, mais par contre après je savais pas comment te l'envoyer quoi. Donc voilà, j'avais fait ça vite fait. Une petite bannière YouTube. Donc c'est pareil, hein, si vous avez besoin de vous faire des bannières ou quoi que ce soit sur YouTube, n'hésitez pas. De toute façon, il y a un tas de logiciels à portée de main. Et moi, je passe par deux logiciels assez sympas que je trouve, hein, bien sûr, pour justement remodifier justement les dimensions.
Donc moi je fais du 2560 par 1151 je crois de large. Mais en fait c'est tout con hein, à se faire une bannière en fin de compte. Hein. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'avoir des renseignements pour vous en faire une. Donc moi en fait j'avais fait la bannière que j'avais faite pour X-Soldier en fait c'était Aida. Donc Aida sur toute la longueur hein, de la bannière avec décrit bah, son pseudo en espèce de relief. Je la trouvais sympa. Je crois que je l'ai encore la bannière, hein, mais bon, après je sais pas comment faire pour l'envoyer. Et le problème c'est que comme j'avais déjà dit à Kirito, hein, j'utilise pas justement tout ce qui est Skype et compagnie, MSN et j'en passe. Je suis anti tout ça moi. Voilà, donc au pire moi, tout comme pour la photo de Jill Valentine, je peux vous l'envoyer via le PSN, il n'y a pas de souci. Donc j'ai juste à récupérer hein, bien sûr les infos sur une clé USB et c'est réglé. Donc c'est ici. Oh, ça se trouve, je raconte des conneries parce que c'est peut-être pas ça là. Non, c'est pas ça. Donc, encore un gros fail. Je pensais qu'en fait, elle allait péter le cadenas avec justement avec l'espèce de bâtonnet là. Il y a un truc à faire. Je crois qu'il y a un truc à faire. Faut lever la trappe ou je sais pas quoi. C'est plutôt où j'étais en fin de compte, hein, à mon avis. Mais bon, c'est pas grave. Comme disait Rudy, il aime bien me voir fail. Et puis c'est vrai que c'est très rare que je me faille. Donc profitez-en, hein, mes amis, rigolez. C'est fait pour. Hein. J'ai envie de dire. Bah, c'est ce qui compte, on va dire. Hein. C'est ça le let's play, c'est le fail comme la réussite, j'ai envie de dire. On voit de tout et de rien. Alors aujourd'hui nous sommes samedi et c'est vrai que j'attendais un colis. Et comme visiblement le gars il se pointe pas, bah, c'est pas grave. Justement j'avais pris la décision de tourner cette vidéo. Et puis voilà quoi. En fait, j'attendais un escabeau là. Un escabeau. Parce que bon, j'ai besoin de faire 2-3 bricoles chez moi. Et le problème, c'est que j'avais un escabeau, mais il est mort. Hein. Il est mort. Ouais, parce que comme vous le savez, je suis en train de refaire mon appartement en ce moment. Oh non! C'est quoi ça? Je parle et je refais demi-tour moi, mais je suis. Mais je suis maudit. Attends, il y a un truc là-dedans là, non? Il me semble qu'il y avait quelque chose. Non, il n'y avait rien. Jill. Ah oui, alors vite fait, justement, par rapport au Hero Remake version PS3. J'ai toujours pas reçu hein, ma version. Hein. Je sais pas ce qui branle chez Play Asia. Là, on est quoi? On est le 13. Et imaginez quand même, on est samedi 13. J'ai passé la commande le 26. Le 26 dernier. Et je n'ai toujours pas mon jeu, quoi. C'est what the fuck, j'ai la rage. Hein. Franchement, je sais pas ce qui branle. Je sais pas ce qui branle. Je me demande si justement le gars il s'est pas planté justement de l'adresse. Parce que bon, sur le site, le gros délire c'est que j'ai un message qui m'indique que le jeu a bien été envoyé. Hein. Et toujours rien. Alors, même ceux que je connais pas hein, d'ailleurs, qui tomberaient par hasard sur ma vidéo et qui m'écoute. Hein.
Si vous avez une idée de comment que ce site fonctionne, ça serait vraiment aimable de votre part de me dire est-ce que c'est normal ou pas. À mon avis, ça doit pas être si normal que ça en fin de compte. Hein. Parce que là, quand même, ça fait largement une semaine hein, quand même. Et là, je commence quand même à paniquer un peu. Et je dirais que quand même ça m'inquiète. Hein. Franchement, ça fait quand même une bonne semaine que j'attends ce foutu jeu. Et je l'ai pas quoi. Là, vraiment, what the fuck, je sais pas ce qui se passe. Donc si quelqu'un peut me renseigner, me dire si c'est normal ou pas, ça serait bien. Ça serait bien. Au moins ça me rassurerait quoi. Bon je pense que c'est ici à mon avis il y a un truc à faire ici avec la barre. Je sais pas pourquoi mais mes souvenirs me font revenir ici. Ah c'est peut-être ici. La cheminée là justement. Ah d'accord. Il faut utiliser le brick-brick. Il me semble. Allez, on va se faire ça. De toute façon, on n'a rien à perdre. Il me semble qu'il faut certainement foutre le feu là-dedans. Et c'est ce que on va faire justement. Voilà. Dommage que qu'il n'y ait pas de son d'ambiance ici. Mais bon, c'est pas grave, hein. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut foutre le feu? Voilà. Donc, c'était ça. Hein. Voilà, donc la fameuse barre qui sert justement à défoncer ce passage. Ah oh là là, encore ce fameux bug. Alors je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi ce type de bug là. Aucune idée là. Hop, on défonce le passage bien sagement. Et d'ailleurs, le briquet, on va le reposer de ce pas. Ah non! Ah bah le briquet carrément bah il disparaît, bah tant mieux, hein, tant mieux. J'ignorais. Oh ouais, donc là ça va commencer à se compliquer. C'est quoi là? On a un petit message, supervisor. Donc, hein, bien sûr, hein, on le sait, hein. C'est le Némésis, mais aussi surtout la bébête qu'on va croiser là. Voilà, voilà la fameuse clé qu'on va tout de suite prendre. Il y a encore une note ici. Grenade bon, ici. Miam miam, c'est bon ça. Et là, inutile de dire que je suis fine hein, au niveau grenade. Il n'y a pas de souci là, je crois. Il y a quoi d'autre hein? Ça, c'est quoi ça? C'est une. Il me semble qu'il n'y a rien. Bon, il me semble. Par contre, t'as quelque chose sur toi ou pas? T'as rien là? T'es sûr? Umbrella Corporation. Bon, on va. Ah non, on peut rien faire. Hein. Sûr hein, qu'on peut rien faire. Hein. Que je revienne pas ici pour rien. Hein.
va aller déverrouiller direct. Bon, il me semble que j'ai tout fait, c'est bon. Ah! Attention! Eh oui, c'est justement ici, d'ailleurs, qu'on va recroiser le méga gros méchant vert. D'ailleurs, hein, qui fait quand même assez mal. Hein. Comme vous avez pu le voir dans une de mes parties. Hein. Sachant qu'on pouvait pas l'atteindre. Oh non, encore lui là. Il y a un traître parmi nous. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this. In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Another mutant. Ouais, vous l'aurez compris, c'est parti mes amis. Allez, on va aller affronter ce gros ver. D'ailleurs, il me semble que il y a 15 ans de ça, j'en avais chié. Parce que il voulait pas rendre l'arme. Le cochon. What's going on? C'est là qu'on peut voir à quel point il est énorme, ce cochon. Je surveille ma vie quand même. C'est pas le tout. Oh là là là. Non, non, Jill. Dans l'autre sens, please. Crève, bien sûr, hein, normalement. On va pouvoir le crever, il n'y a pas de souci. Tu me fais mal, monsieur. Non, non, non. Il est redoutable quand même. Allez, c'est bon, je crois qu'il est mort. Ah bah voilà, quel soulagement. Vous ne m'aurez pas, c'est mort. Ah, oh là là. Lâche-moi. C'était moins d'une. Direct, on va se reprendre le pompe. Voilà, et là, de retour. Et il y a du monde là. Hein. L'ambiance là qui s'est mise en place, hein, vous voyez. À mon avis, on va peut-être pas tarder à recroiser Nemesis.
Bon, alors Kirito qui me dit que le Nemesis est quand même assez facile à la fin. Oh là 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 là! Eh ouais, mais ils sont là, mes amis. Ils sont de retour. Tiens, tu as une petite baba là. Une petite cartouche, un petit chicot, ça fait pas de mal. Là. Allez, venez ici, il y en a pour tout le monde. Je dégaine là, en ce moment. Tiens! Il y a une petite girlie aussi là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me cracher dessus toi là hein? Non mais oh, un peu de tenue là. Pas poussé non plus hein. Salut toi, tu vas bien ou quoi? Tranquille? Non. Oh putain! Oh ce file. Lève-toi, 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 je vais t'en mettre plein les pruneaux. Tiens! D'où tu me touches? Bon ici il n'y avait rien d'autre, normalement c'est bon. Allez, on y va. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. Encore peut-être des Hunter grenouillettes. Dans... Bon, il n'y a personne visiblement. Allez, on y va, on y va, on y va. Je sais pas à quel niveau on se trouve de la fin. On doit pas en être loin quand même. Tout doux, tout doux, tout doux. On sait jamais parce que je sais pas s'il y a encore du monde ici. Normalement non. Et hop, c'est normalement ouvert. On peut admirer au passage. Super ambiance. Magique. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Alors là, il y aura encore un choix à la con à faire. Jump off, jump off, je sais plus. Ouais, je crois que c'est jump off, hein, il me semble. Ça se trouve, c'était peut-être pas le jump off. Enfin, si, je crois que c'était ça, il me semble. Hop là. On esquive gentiment. Bien sûr, hein. C'était sûr qu'on allait le re-rencontrer de nouveau. Hein. Ah, je sais pas si ça vous parle, mais on dirait un petit passage là, de RE3 là. C'est quand même assez familier au niveau couloir. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Là, on a certainement une petite salle de save par ici, d'ailleurs.
Eh oui, eh oui! J'aime les salles de save. Y a que là que nous sommes à ça, l'abri, bien sûr. Bon, les azotes, je les prends pas. On a vu ce que ça faisait. Hein. Je crois que j'avais noté ça justement dans le review à Kirito. Sympa les azotes, mais son Némésis, à mon avis, ça fait pas grand chose. Hein. Ça sent encore la super énigme. Ah là 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 là. No more. Ok, y a rien. Je sens qu'on va encore s'amuser. Allez, deux sprays, c'est la fête. Ouais, donc c'est ici, il me semble. Oh là, oh, ça c'est une énigme de dingo, ça. Ça me revient là. Je m'en souviens très bien. Il y a un truc à faire. Hein. Chiant qu'on va s'amuser là. Non! C'est pas ça que je voulais faire.
Je sais que j'avais bien galéré sur cette énigme. Non. What the fuck? Ouais, c'est celui-ci qu'il faut que j'emmène. Non, c'est pas bon. Ça, c'est bon, ça va pas. On va tester, ça coûte rien. Non, c'est bon. Bon, bah, prenez-vous un petit café. Mettez-vous à l'aise, hein. Car c'est parti pour un petit moment. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Mais putain, à chaque fois je fais la même boulette là. Tu casses les couilles, toi. N'importe quoi. N'importe quoi.
Je crois que c'est le A le plus important en fin de compte. Hein. Je crois bien. Oh génial! Énorme, cool. Bon voilà, comme quoi il fallait modifier le A donc. Bon voilà, c'est fait. Par contre, est-ce qu'il y avait quelque chose ici? Non, il n'y avait rien. Ah mais ça a déverrouillé quelle porte là? D'accord. Oh, ça c'est vraiment une énigme. Assez coriace, on va dire. En speedrun, on n'a pas trop intérêt de galérer avec cette énigme. Sinon, bon, ce qui sauve à la limite, hein, vous me direz, c'est le fait de pouvoir sauvegarder, y a pas de souci. Est-ce que j'avais tapé une save? Moi, je m'en souviens même plus. Normalement, oui, hein, il me semble. Ça commence à cailler là quand même. Ouh là là, mais les super zombies, mais bien sûr. J'allais vous le dire. Oh, Carlos. Thanks, Carlos. De retour. Oh bien sûr, hein, comme dans tous les Resident Evil. Hein. Ils apparaissent au moment où vous vous retrouvez un peu embêté. Mais tout au long de l'aventure, vous serez seul au monde, bien sûr. Oula, Carlos. Fait un peu de charme à Jill. Hein. Une petite caresse et je me sauve. Bon, vite fait, je me tube une peu clos et on va enchaîner la suite. Ne vous inquiétez pas. Il me reste plus beaucoup de tabac là. J'ai intérêt de faire attention là pour assurer ce que je prends d'être emmerdé moi. Parce que sans tabac, c'est. Je sais pas que c'est la fin du monde, mais ne pas avoir de club, c'est un cauchemar quand même. Bon, passons, nous sommes pas là pour parler de club. D'ailleurs, c'est dangereux pour la santé. Si vous ne fumez pas, ne commencez jamais, bien sûr. Bien sûr. Je passe mon petit message préventif, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, j'espère néanmoins pouvoir faire une pause bientôt.
Une pause clope. C'est souvent que je fais des pauses clopes hein, d'ailleurs. Faut pas trop abuser de cette saloperie. Allez, c'est parti. Pour la suite. D'ailleurs, si je faisais demi-tour, ce serait mieux. Ah non, bah non, là, j'étais dans la bonne direction, donc. Ouais, ça me fait curieusement penser à RE2, là, les petits passages, là, avec ces petits couloirs. Hein. Bon, ça va, j'ai pas usé de pompe. Je pensais qu'au début, j'avais usé des cartouches, mais finalement, non. Ah, ouais, ici, il y a du monde. Bon, il y a même les chiens, là, je crois bien, là, non? Il y a des toutous ici. J'ai l'impression de les entendre. Coucou, je suis là, messieurs. Ah, ils sont vilains. Qui sont vilains? On dirait des grognements de tout. J'arrive pas à viser le tonneau, c'est incroyable. Alors? Vous avez cru quoi là? C'était la fête? Ouh, ça c'est bon ça. Deux petits packages de cartouches là. On va se servir sans souci. C'est bon ça. Ouais, là, ça sent la fin, mes amis, je vous le dis. Alors ici on a quoi pour l'instant? Ici, on ne peut rien faire. Là, il me semble que c'est une espèce de cerveau qui fait je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut y aller? Non. Il y a du liquide, c'est dangereux. Ici, bien sûr, on peut ouvrir. Un ascenseur. Eh bien, on va le prendre. Alors. Bon, pas d'étage. Déjà, c'est pas mal, ça. Moi un peu cette ambiance là. Ouais, tu crois que je l'avais pas vu? Tiens, tu t'es caché derrière le mur, mais je suis plus fut que toi, moi, hein, petit salopard. Allez, viens là toi, amène toi là. Je t'ai cassé là. Non, je te pète ta tête. Allez, venez là. Oula, il y avait un super zombie. Vous avez vu un peu l'accélération là, redoutable. Il a tapé un... Il s'est dit eh, c'est bon, je vais griller mon pote. Elle est à moi. Elle est à moi, cette victime. Bah du coup vous aurez personne, parce que moi je suis trop fut. My name is Jill Valentine. Bon, tu la prends, Jill? Ou t'as un stock assez confortable? Je sais pas si vous entendez un peu l'ambiance du jeu, mais on dirait que c'est quand même assez familier là, avec un passage en RE2. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors lui, regardez-moi lui. Regardez-le comment qu'il est. On lui pète ses jambes ou pas? On va lui péter ses jambes. Ouais. Coucou, je suis là. Tu me vois là ou pas? Est-ce que tu me vois là? Tiens, dans les jambes, ça fait mal là. Mais vous voyez que il est pas mort. Hein. Il est pas mort le cochon. On va le contourner. Bon allez, on va le finir parce que sinon il va m'emmerder. Ici on a quoi? Une disque.
quête. Non. Oui, ouais. Comme quoi, graphiquement, ça se voyait quand même un peu. Ça ressemble à une disquette. Il y a un truc à faire ici ou pas? Non. Point pour le moment. Ouais, l'ambiance, ça me fait penser curieusement à la rencontre de Ada et Annette Perkin. Quand les deux femmes se rencontrent, justement. On dirait un peu la même musique d'ambiance, hein, j'ai envie de dire. C'est déverrouillé. Vous avez déverrouillé la porte. Voulez-vous entrer? Oh, attention, petite cinématique, un corps avec Nikolai? Carlos, hein, j'ai l'impression. Ah non, c'est Nikolai. Il y a un traître parmi nous. Tu m'étonnes. Comme dans tous les héros, de toute façon. Il y a toujours un traître qui se cache quelque part. Hein. Oh, petite salle de save. Allez, nous sommes rendus à quoi, 49 minutes. On va se laisser là pour cette deuxième partie, messieurs dames. Voilà, je crois qu'on aura fait quand même un bon petit paquet de chemin. Bon, déjà on va faire un peu de ménage parce que j'ai plus rien stocké, c'est la folie là. Alors, vous voyez un peu hein, le nombre d'objets qu'on peut récupérer quand même en easy. Ça déconne pas. Ah, par contre, j'aurais dû prendre direct le mélangeur. Non, non, t'es connerie là. Pas le livre, bordel. On s'en fout du livre. On s'en fout du livre. Ici, y'a rien. Ok, y'a rien. Encore un petit soin ici d'ailleurs. Comme si qu'on en avait pas assez. Ah, des sprays inutiles, je veux dire, hein, j'en ai au moins facile 7-8. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, je m'étais fait toucher ou pas, je sais même plus. Bon, c'est pas grave, on va se le garder sous le coude. Il y a un paquet d'esprits, hein, c'est un truc de malade. C'est la fête. Il y a une grenade qui est toute seule ici. On va la mettre là. Alors là, une petite voiture que franchement au niveau cartouche, on va être vraiment plus que bien, je pense. Hein. À mon avis, on va approcher les 250 cartouches. Hein. Pas loin. Est-ce qu'on peut le mettre en ultra? Ah ouais, on peut le mettre en ultra, c'est énorme. Les rouges, on s'en fout un peu. Oh, c'est un truc de ouf. 217 cartouches, c'est la fête du slip. Hein. Sachant que quand même, j'ai buté pas mal de monde. Hein. Bon, on va se laisser là. J'espère que cette partie vous aura plu, comme d'habitude. Encore le livre bleu. What the fuck. Les saves. Laissez save. Illimité, bien sûr. On est comme ça, nous, on déconne pas. On va se laisser là. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc, je pense pour aujourd'hui, samedi, ce sera les deux seules parties que je vous mettrai en ligne, mais je vous partagerai, je pense, hein, bien évidemment, la suite dimanche. Donc certainement que ces deux parties là seront directos, je pense, plus ou moins à un intervalle de très peu de temps entre les deux disponibles. Donc disponible pourquoi? Bah, justement par rapport à mon gros retard. Voilà.
car voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les raisons sont que je bosse et que j'avais besoin de refaire un peu de ménage dans mon appart, un peu de rangement donc. Je n'avais point le choix. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette partie 9, si je me trompe pas, vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était 4Rev. Portez-vous bien. Une nouvelle fois de plus, bon week-end puisqu'on est samedi. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Tchuss.